Vous n'en conviez plus, la nuit était trop sombre, c'est fini désormais, dansons la voix Stella. On ment un peu, ce qui est pas grave de mentir un peu, mentir beaucoup c'est plus emmerdant, on ment un peu aux gens, quand je dis on, j'ai des noms à donner, la mode ne se résume pas à certaines collections, certaines ravissantes jeunes femmes, il y a des milliards de tendances de mode, autant que d'êtres humains, parfois plus, puisqu'il y a la mode saturnienne, la mode vénusienne, qui ressemble un peu à la mode saturnienne dans les années 70. Notre chroniqueur de mode est là, il répare ses erreurs, c'est Chico Del Mode. Fashion, 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 c'est quoi fashion, fashion? Non, écoute, Edouard, laisse-moi terminer le jingle. Fashion, 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 fashion. Non, il est fini là, le jingle. Ah, il est fini. Voilà, c'est un petit jingle qui est assez économique, ça coûte pas un rond. Ça va, ma caille. Comment ça va? Pas mal, Edouard. Mais ça, c'est quoi? C'est très joli, ça? Thank you. Ça, c'est quoi? Écoute, ça, c'est le petit porte-bonheur hyper discret de ma création, Chico. Chico, tu as été de tous les défilés. Tout. Quelle est la tendance de la saison? Écoute, la tendance, Macaille, c'est de parler, quand tu es chroniqueur, c'est de parler de la tendance. D'accord. Et alors, cette tendance-là, justement, pour aller plus loin, quelle est cette histoire dont on parle beaucoup en ce moment dans les défilés de mannequin? C'est un mélange de mannequin et de pain, on m'a dit. C'est ça, tu as tout débouffé. C'est le mannequin. Alors, le mannequin, c'est quoi? Le mannequin, c'est le mannequin, c'est un peu comme une tranche de pain. Et en même temps, il est copain. Et en même temps, il est coquin. Copain. Fashion, fashion. Ne me prends pas pour un con. Hein? Bon, prends pas pour un con. Non. On va le voir. On va voir un mannequin, ce truc dont tout le monde parle en ce moment. Voilà, c'est ça. Ciao, ciao. À la belle tranche. J'adore les individus. Ciao, Parigi. J'adore. Fantastique. Voilà, hein. Alors, en tout cas, on peut parler d'une très belle tranche. Alors, en quoi ça consiste exactement ce... Alors, on voit le côté esthétique, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait L'accent italien. Parce que là, par exemple, là, j'ai un morceau de pain qui n'est pas mannequin du tout, là, par exemple. C'est très rigolo, toi. Oui, merci. Et j'adore le centre de visionnage. Tu y passes quand tu veux. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un mannequin qu'on ne ferait pas. Les dents, c'est très sexy, les mannequins. Oui, il est très hot. C'est hot, la mode. Alors, écoute, ce qu'on peut faire, on peut faire tout ce que tu veux. Parce que ce qui est génial, ce qui est extraordinaire, Macaille chérie, c'est que tu prends, par exemple, les tranches de jambon. Qui fait ça, par exemple? Mugler, il fait la tranche de jambon comme ça. Et il le met aussi, tu peux le mettre à la Dior en boucle d'oreille. Et c'est pas mal, tu vois. Tu le mets en boucle d'oreille, comme ça. Et après, tu fais aussi... Alors ça, c'est autre chose, c'est génial, c'est Chanel. Chanel, c'est avec le beurre. Et ça pénètre bien, et c'est ça qui est super génial, tu vois. Tu le mets comme ça. J'avoue avec le mannequin. Hé, mon vieux, n'en faites pas trop. Non, parce que déjà, l'accent italien, c'était limite. Alors, en plus de tartiner de jambon et de faire hein? Pardon. T'es d'accord, non? Oui, je suis assez d'accord. Je sens que t'es d'accord. Je sens que ça me fait du bien. Parce que ce qui est important, c'est de là. Et c'est ça, la vraie beauté, elle est intérieure. C'est l'ami des choses. C'est le cœur.